Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre calendrier de l'Avent. Donc nous sommes jeudi 8 décembre et on va faire notre petit train-train habituel. Je vois bien dans les commentaires que vous appréciez. Donc c'est parti, coloriage du numéro 8, calendrier de l'Avent plaisir et calendrier de l'Avent budget. Alors, donc, c'est parti. Nous allons colorier cette petite maison. Elle me fait penser un petit peu à la maison dans Maman, j'ai raté l'avion. Elle est trop... J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, la maison, je vais la faire dans les teintes de gris. Je vais faire du gris chaud. Alors... Comme si qu'elle était un petit peu en pierre, mais je ne vais pas m'amuser à dessiner des pierres. Hein. Il n'y a pas assez de surface. Donc du coup, je vais commencer en prenant le gris 90% gris français, donc le 1076. Et je vais m'amuser comme d'habitude. Voilà, c'est un petit peu pareil tous les jours, à faire des ombres. Alors, on va peut-être être coupé dans la vidéo. Je vais peut-être être obligée de vous mettre pause à un moment parce que... J'attends mon papa qui vient me secourir. J'ai un souci avec mon portail en ce moment. Et du coup, il m'a dit qu'il arrivait dans peu de temps. Donc, j'essaye d'avancer parce que j'ai encore une journée assez chargée. Sachant que ça y est, je peux vous l'annoncer officiellement. J'ai reçu mon numéro de Siret hier après-midi. Donc, je suis trop contente. Je vais me mettre à fond sur la boutique... Là, tout le mois de décembre et je pense que fin janvier, début février, vous aurez le lien de ma boutique pour voir ce que je vais vous proposer et proposer à plein d'autres gens dans toute la France en vente. Voilà, donc je suis trop contente. J'ai commencé à faire ma première commande hier chez mon fournisseur, enfin un de mes fournisseurs. Et j'ai trop hâte de les recevoir parce que je sais que... Ça va apporter énormément de bien-être à beaucoup de personnes. Donc, je suis trop contente. Voilà, ça avance enfin. Je suis ravie. D'ailleurs, je vous remercie. Hein, je reçois régulièrement des petits commentaires. Que vous êtes pressés, que j'ouvre ma boutique. Alors là, je vais prendre le 70% gris français. Hop, le PC 1074. Oui, je reçois régulièrement des petits commentaires que vous êtes pressés de voir ma boutique, de commander dessus. Et pff, vous ne savez pas comment ça me fait chaud au cœur. Franchement, c'est super gentil à vous de me soutenir comme ça. Et j'en ai vraiment besoin. Quoi. Il faut que ça marche, cette boutique. Ça me ferait tellement du bien dans ma vie. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Hein. C'est... Le travail passionnant, c'est la dernière chose qui me manque dans ma vie. Et j'y crois à fond. Et il faut que ça marche à fond. Et je serai la plus heureuse du monde. Voilà. Bon, elle va être assez foncée, ma maison. Je la voyais un peu plus claire, mais je vais rajouter une dernière couleur. Alors là, vous voyez, je passe sur les guirlandes. Hein. C'est trop petit. De toute façon, je vais certainement mettre du stylo gel pour faire ressortir un petit peu tout ça. Je me prends pas la tête hein. Si je devais éviter tous les petits points déjà je suis trop loin avec le téléphone devant et en plus ça me prendrait des plombes et pour finir je vais prendre le 30% gris français le PC 1070 je vais peut-être le tailler un petit coup donc là vous voyez je voulais vraiment faire une couleur différente de la maison en pain d'épices qu'on a fait hier donc là pour le coup ça va l'être. Alors, je ne vais pas avancer jusqu'au très foncé, mais je veux quand même mélanger. Hop. Vous voyez, je ne vais pas au bord, mais je veux quand même mélanger pour éclaircir un petit peu cette maison. Et vous voyez, j'étire du coup mes couleurs plus foncées pour que ça se mélange super bien et que ça ne me fasse pas une démarcation clair-foncé, quoi. Voilà, donc déjà ça c'est bon,
Je vais quand même la contourner. Alors, Tully Art oblige. Hein. Alors, par contre, je suis désolée, je me suis installée à la va-vite. J'ai mon... Pourtant, la table, elle est grande, mais non, il n'y a rien à faire. Alors, je vais prendre le 30. Voilà. Je vais prendre mon Tully Art numéro 30 dans la collection toujours Earth and Skin. Hop, vous voyez, c'est... Ah bah non, vous voyez pas. Voilà, c'est un gris assez foncé, mais pas trop non plus. Et je vais contourner ma maison. Voilà. Je vais faire le bas aussi. Voilà. Ensuite... J'ai oublié de faire la cheminée. Je vais reprendre le gris français 90%. Je vais juste faire... voilà. Et puis, le haut de la cheminée, il sera neigeux. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook hier. Mais ça fait bien effet neige. Hein. Attendez, je vais vous décaler vu que la maison, elle est juste à côté. Vous voyez ? Une fois sec, ça fait vraiment effet neige. Hein. Donc, je vais le refaire sur cette maison-là. Mais comme l'autre, je le ferai à la fin. Ensuite. Alors, je vais prendre... Oh là là, je suis mal installée là. Puis, je suis dans le speed. Je sais que mon père va arriver. Donc, voilà. Je vais faire les portes. Donc, pour les portes, je vais prendre... mon chouchou, le... Non, c'est pas mon chouchou, mais je le prendrai après. Mon chouchou, le chocolat, le 1082. Je m'en sers très régulièrement. Alors, il est déjà bien taillé, mais je veux vraiment pointu. Parce que je vais faire... Vous voyez bien... Oh là là, Hélène. Voilà. Le tour complet de cette porte. Et pareil pour celle-ci. Je vais faire le toit aussi. J'essaye de... Je suis désolée, là je parle pas trop, je me concentre, mais c'est une toute petite zone. Et je veux pas dépasser parce qu'après, sous la neige, ça fera pas joli. Voilà. Ensuite, mon petit chouchou. Le brun ombre clair 941. Donc là, je vais faire tout le tour de la petite porte. Je vais me dégrader sur les traits de la porte, là. Pour changer un petit peu de système d'ombre. Et ici. Voilà, et ensuite, alors j'ai pas trop de marron beaucoup plus clair. Si je prends le beige mastic, j'ai peur que ça fasse un peu trop clair. Donc on va tester. De toute façon, je veux pas que ce soit trop foncé. Donc c'est le beige mastic, le PC 1083. Et je vois que mon papa arrive. Donc je finis les portes avec vous. Et après, je vous reprendrai après... quand je pourrais. Voilà, tout simplement. On contournera ces portes, hein, bien sûr. Voilà. Donc, je vous laisse là. Pour vous, ça ne changera rien. C'est tout de suite. Mais je vous reprends juste après. Bon, alors, je vous reprends. Pour vous, il s'est passé même pas 10 secondes. Moi, je vous reprends 3 heures après. Voilà, un gros souci avec mon portail. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, faut que je me remette dans le bain. Donc, si je cafouille un peu, ne vous étonnez pas. Voilà. Donc, du coup, on avait fait la maison. On avait fait les petites portes. Bah, il nous reste pas grand-chose à faire. Je vais faire la lumière des fenêtres donc avec le
jaune déco, le PC 11, 10 11 pardon. Donc là, hop, pas de prise de tête, je colorie en jaune comme si qu'il y avait de la lumière à l'intérieur. Pas de dégradé. Et ce que je ferai, c'est que je vais contourner avec ah oui, il y a les petites guirlandes là que j'avais camouflées. Il faut jouer ça après. Je vais contourner avec mon petit feutre noir là de chez Action. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Comme ça, ça fera plus joli et plus clair qu'avec un Tuli Art. Donc, hop. Donc, c'est le même que je prends tous les jours. Hein, voilà, le Craft Sensation. Water base, je sais plus dans quoi j'avais eu ça. Je me demande si c'était pas avec les feutres aquarellables de chez Action. Franchement, je sais plus du tout. Je sais plus pourquoi je l'avais mis dans ma trousse, mais concrètement là, je suis très contente de l'avoir parce que vous voyez, il me sert bien pour ce calendrier de l'Avent. Je risque d'avoir le nez un peu qui coule hein, parce que je suis restée 3 heures dans le froid dehors. Chez nous, il fait 0,5 degrés aujourd'hui, hein, donc je me suis caillé les fesses, mais bon, il y a besoin parfois. Voilà, donc pour les fenêtres, c'est bon. J'ai juste les petits buissons là que je vais faire vert, et après ben, on va passer à la neige. Je vais prendre celui-ci, non. Je vais prendre toujours le même, le vert foncé, le PC 908. Il n'est peut-être pas assez pointu pour les tout petits buissons que c'est. Donc je vois, c'est des petits buissons et qu'il y a de la neige dessus. Ouais, donc là pareil, je ne vais pas me prendre la tête à faire un dégradé vu le peu de surface qu'il y a. Ça va être un aplat de couleurs. Voilà, je l'aurais bien contourné quand même avec du vert, ça fera plus joli. Bon, je suis pas beaucoup mieux installée que tout à l'heure, j'ai tout remis. Est-ce que je vais réussir à choper mon vert sans tout mettre en l'air? Telle est la question. Oui. Hop, donc là je fais tout léger, hein, c'est vraiment... pour cacher ces lignes noires, et puis voilà. Hop, alors avant de mettre la neige, je vais faire le petit cœur, les petites étoiles qu'il y a sur la façade. Donc ça, et j'ai dit que j'avais les petites guirlandes lumineuses en haut. Alors les petites, je vais prendre que mes Pentel hybrides, voilà. Donc les guirlandes, je vais les faire avec celui-ci. Donc vous savez, les petits ronds que j'ai masqués en haut. Le petit cœur avec mon pink que je vous ai déjà montré. Et non, c'est l'inverse. Oui. Je sais plus. Non. Les guirlandes, je vais les faire avec celui-ci, donc le gold. Le cœur avec le pink. Et les petites étoiles avec mon orange métallique yellow. Voilà. Donc, c'est parti. Je commence par le haut pour rien accrocher après. Alors, faut que je les revoie parce que là, je ne les vois pas. Ça aurait pu faire joli aussi en argenté, mais là, je ne les vois pas. J'y vais un peu au pif. Hein. Je fais, hop, des petits points. Voilà. En argenté, ça serait peut-être un petit peu plus ressorti, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, mon petit cœur. Voilà, ça fait des petits points de lumière. Je vais peut-être les contourner. Je vais attendre que ça sèche, mais je vais peut-être les contourner avec le crayon de chez Action aussi. Parce que là, pour le coup, on ne voit plus les limites, les formes. Voilà, bon, je vais attendre que ça sèche. En attendant... je vais prendre mon... je me rappelle jamais, je veux l'appeler cuivre, mais non, il s'appelle bronze de chez Signo Uniball. Parce que, bah non, Hélène, voyons, on prend le doré, c'est un fond doré aujourd'hui. Donc c'est le
C'est écrit où sur celui-là? C'est pas écrit? Si, gold. Oh là là, je suis fatiguée. Donc, je prends mon gold pour faire mon chiffre. Comme ça, l'autre, il a le temps de sécher un petit peu. Et je contournerai celui-ci en même temps. Hop, je reprends mon feutre Craft Sensation. Je contourne légèrement mon petit cœur, mes étoiles. Les petites guirlandes là-haut, je ne suis pas sûre que... Non, je ne vais pas le faire. Tant pis, on les voit un peu moins. Je vais peut-être mettre des petits points de stickles après ou maintenant. Peut-être mettre des petits points de stickles dorés. J'ai le gold là, le stickles gold avec moi. J'ai peur que ça fasse trop gros aussi. Ouais, c'est un peu moins fin quand même, hein. Mais au moins, ça va un petit peu mieux ressortir. Ouais, c'est pas terrible ça, hein. Ça me plaît pas. Bon, écoutez, tant pis, on va laisser ça comme ça pour aujourd'hui. Hop, je contourne, j'ai oublié de contourner mon 8. Ah ça, je m'en doutais. Ah non, faut pas que tu me lâches, on est que le 8, hein. Craft Sensation, à force de contourner des stylos gel qui sont pas secs, il commence à pas trop aimer ça. Allez, j'ai besoin de toi. Voilà. Hop, voilà. Et du coup, on va finir par la neige. Donc là, c'est les toutes petites zones. J'espère que donc le truc de neige de chez Action. Pour le toit, ça devrait le faire. Pour le reste, j'espère. Hop. Ah, ça va commencer à se corser parce que c'est tout fin. Et je pense que je vais faire pareil que la maison. Et là, j'ai envie d'en mettre là. Ah, j'ai oublié une poignée de porte. Je vais en mettre sur le sol, hein. Pour moi, il a neigé, donc le sol est tout blanc. Et ce qui va être un peu plus compliqué, c'est sur les petits buissons, parce que c'est vraiment des toutes petites... Ouais, je m'en doutais un peu. Ça va le faire quand même. Hop, voilà. Là, il en manque peut-être un petit chouille. Voilà. Bon, je ne vais pas toucher plus. Je pense que vu les catastrophes qui m'arrivent aujourd'hui, ça suffit amplement. Et du coup, je vais faire la même chose que la maison... En part d'épices qu'on a fait hier, je vais mettre un petit peu des trois paillettes. Je trouve que ça rend bien. Donc, on commence par la paillette blanche holographique. Ah, j'ai oublié le toit de la cheminée. Je vais finir par y arriver aujourd'hui quand même. Voilà. Ensuite, la argentée. Voilà. Et pour finir, la dorée. Voilà. Donc là, c'est tout pailleté. Et attention. Ah oui, forcément, ça reste un petit peu accroché aux stickles. Mais bon, c'est pas très grave. La dernière chose que je voulais faire, j'ai oublié
la petite poignée de porte ici. Ah, Hélène, fais gaffe, c'est pas sec. Voilà, il faudrait que j'arrive à contourner les deux. Voilà, bon, je vais plus toucher à rien parce que je suis en train de me coller de partout. Je le laisse sécher et puis si j'ai le temps, je vous mettrai la photo sur Facebook aujourd'hui pour comme tout le monde. Si j'ai pas le temps, ce sera demain. Je pense que demain, ça devrait être une journée plus cool si j'ai pas de catastrophe. Donc voilà. Bon, bah, je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc c'est parti, je vous retrouve pour la dernière partie de cette vidéo qui a été un petit peu scabreuse aujourd'hui, mais bon, on va s'en sortir quand même. Donc comme je vous disais depuis le début, nous sommes le 8. Alors le cadeau numéro 8, là j'ai le 10, le 23, le 13, le 15, le 8. Ben voilà, c'est celui-là que je voulais, c'était le 8. Hop, donc qu'est-ce que c'est? Un petit pro marqueur. Hop! Et donc aujourd'hui, j'ai le droit au mango. Donc la couleur mangue, c'est un orange. C'est le 0, pas le 0, le O248. Vous voyez que dalle. Ça fait tout flou. Voilà, bref, c'est un pro marqueur. J'ai pas de papier comme d'habitude parce que j'ai déjà tout débarrassé pour avoir un petit peu plus de place. Donc, c'est un orange assez clair. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'il m'en manquait des oranges. Donc, je suis hyper contente de l'avoir. Ensuite, on passe au calendrier de l'avant budget. Alors, j'ai là une qui se décolle. Je ne sais pas pourquoi. Hier, c'était pareil. Bon. Alors, la numéro 8. Elle est là. Donc... Le 8, qu'est-ce qu'on a? Le 8, je l'ai vu tout de suite. Le 8, il est là. C'est un flocon de neige. Et alors, celui-ci, c'est lequel? C'est le flocon de neige à 1 euro. Donc, normalement, je devrais avoir la monnaie. Alors, j'ai été faire mes courses hier. Aujourd'hui, j'ai été chez le vétérinaire pour mon chien. Dans les courses, est-ce que j'ai les 1 euro? Oui, je crois que chez le vétérinaire, d'ailleurs, il faut que je retire l'enveloppe, mais il faut que je note. Je n'ai rien fait, donc je vais la retirer. Non, j'ai pas les 1 euro, mais j'ai une pièce de 10, une pièce de 50 et une pièce de 2 euros. Donc ça, c'est cool. C'est combien que je me devais déjà? Non, c'est 20 centimes, donc j'ai toujours pas la monnaie. Bon, ben, on verra... dans le mois, ça je le mets de côté, je vais garder les pièces, je vais pas les retirer à la fin de la semaine parce que ça peut me servir pour le calendrier de l'avant. Et du coup, je vais prendre mes 1 euro dans l'alimentation. Donc j'ai laissé mes billets de 5 euros hein, pour les budgéteuses, mais parce que bah, la semaine n'est pas encore finie pour moi, ça finira dimanche. Je les laisse vraiment au cas où si j'en ai besoin. Donc on est le 8, mais... je ferai tout pour pas y toucher. Défi calendrier. Moins 1 euro. Donc, je suis à 5,05 €. Voilà. Comme ça, dimanche, j'aurai pas à me dire mais qu'est-ce que j'ai pris, où c'est qui est parti l'argent. Je sais. Pourquoi elle s'en va tout le temps, celle-ci? Hop. Voilà. Surtout que là, je fais des micmacs avec mon budget entre les avances pour mon entreprise, les défis qu'il va falloir que je remette sur mon compte. C'est un peu le bazar. Je vais regarder tout ça. Donc, zou, je mets mes 1 euro et 1 euro de plus dans mon calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo un peu décousue vous aura quand même plu. Je vais essayer de faire mieux demain, je vous le promets. Et j'espère aussi pour moi que ce sera mieux demain. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut !